Dans ce billet, je vais vous parler des technologies qu'on appelle les LPWAN ou les Low Power Area Network. Alors, ces technologies-là, vous les connaissez sans doute plus sous des noms de marques qui sont beaucoup plus cités, qui sont Sigfox pour la technologie toulousaine et LoRaWAN pour la technologie grenobloise rachetée par Semtech. Alors, ces technologies-là, leurs caractéristiques, comme leur nom l'indique, elles sont low power. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va consommer très très peu d'énergie pour pouvoir communiquer sur ces réseaux-là. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet de faire des objets connectés, c'est-à-dire des objets qui, avec une batterie en totale autonomie, vont pouvoir communiquer pendant des semaines, des mois, voire des années, selon les messages qu'ils ont envoyés. Et puis, on parle de Wide Area Network parce que ce sont des technologies qui permettent de communiquer à de longues distances. On parle de dizaines de kilomètres quand on est dans le monde LoRaWAN, on parle de 50-60 kilomètres avec des tests réussis à 900 kilomètres sur du Sigfox. Donc on parle de communication très grande distance, et ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on peut construire un réseau rapidement avec peu d'antennes, et donc des investissements qui sont plus légers, et un coût d'entretien qui est plus léger. Donc on peut communiquer, grosso modo, pour moins cher. Bon, bien sûr, on va parler moins vite sur ces réseaux que ceux qu'on peut utiliser sur du Wi-Fi, de la 3G ou ces réseaux-là, mais dans la communication des objets, aujourd'hui, on peut déjà faire beaucoup de choses avec du très bas débit. Donc, je vais vous parler de ces deux technologies, et ce qui m'intéresse, c'est de vous expliquer comment, d'un point de vue radio, ça fonctionne, et surtout comment ça fonctionne différemment. En fait, il y a deux façons pour utiliser peu d'énergie et aller le plus loin possible, et chacune des technologies a utilisé une de ces deux méthodes. La première, c'est celle qu'on va appeler l'ultra narrowband. C'est celle qu'utilise Sigfox. Et en fait, l'idée de cette technologie-là, c'est tout simplement de concentrer le peu d'énergie que l'on veut utiliser pour la communication dans une gamme de fréquences qui va être la plus étroite possible. La deuxième solution, celle qui est utilisée par LoRa, c'est ce qu'on appelle de l'étalement de spectre, du spread spectrum. Là, le but, en fait, c'est d'utiliser l'énergie que l'on a pour parler sur des fréquences différentes et renvoyer le même message sur différentes fréquences. Alors pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? C'est parce qu'en fait, quand on communique en radio, on communique avec du bruit autour de nous. Et la problématique, c'est d'arriver à se faire entendre le plus loin possible, malgré le bruit qui est présent. Dans la technologie ultra-narrowband, on va concentrer notre énergie sur une fréquence de façon à faire plus de bruit que le bruit ambiant dans cette fréquence-là. La technologie d'étalement de spectre, elle va utiliser plusieurs fréquences. Son but étant d'arriver à trouver dans l'ensemble des fréquences qu'elle utilise, une des fréquences sur laquelle il n'y a pas trop de bruit et sur laquelle le signal va passer. Alors, on va faire une petite expérience pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Et pour cette expérience, on va utiliser la voix, parce que finalement, l'onde qu'on manipule tous les jours, l'émission radio qu'on manipule tous les jours, c'est celle que j'utilise tout de suite pour communiquer avec vous, ma voix. Donc l'énergie, quand je parle, c'est ma capacité pulmonaire, c'est cette énergie-là qui va me permettre d'émettre du son, ensuite les cordes vocales qui vont permettre de faire varier la fréquence, et tout ça, ça va donner un message audio. Donc ce message audio, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir le regarder sur un écran avec ce qu'on appelle une FFT, donc une transformée de Fourier, qui permet de passer du système d'amplitude, c'est-à-dire du son que je génère, à une vision fréquentielle de ce son-là. Donc vous voyez que quand je parle, les fréquences que j'émets sont identifiées sur cette FFT. Donc maintenant, on va créer un bruit ambiant sur cette FFT. Donc, vous voyez, j'utilise une musique, et vous voyez cette musique qui, sur la FFT, produit un certain nombre de pics à des fréquences qui sont un petit peu plus aiguës dans l'exemple que l'on a. Alors la problématique, c'est d'arriver à faire entendre le message, donc ma voix, par-dessus ce bruit ambiant. Est-ce qu'on m'entende là-dedans? J'aimerais bien arriver à ce qu'on m'entende là-dedans. 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 Et bien entendu, si le bruit ambiant est important, ce que vous constatez, c'est que dans le signal, on voit peu mon message, et par contre on voit de façon beaucoup plus forte le bruit ambiant qui est créé par ma sonnerie. Alors maintenant on va faire une tentative, on va regarder ce qui se passe si je me mets à siffler. Et là vous voyez, ce sifflement,
il émet énormément plus de puissance dans une fréquence de données bien particulière. Vous voyez, c'est le pic à 2 kHz qu'on a vu apparaître, et ce pic-là, il est beaucoup plus puissant que mon bruit ambiant. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si je m'éloigne de l'ordinateur auquel je suis, devant lequel je suis, que je m'en éloigne d'une dizaine de mètres ou d'une vingtaine de mètres, sans doute je n'entendrai plus le bruit ambiant que j'avais créé, mais par contre, on va très bien entendre ce sifflement qui va porter beaucoup plus loin. Et ma capacité pulmonaire, la source d'énergie que j'ai utilisée pour parler comme pour créer sifflement, c'est la même. Donc avec la même quantité d'énergie, globalement, grâce au sifflement, je suis allé beaucoup plus loin. Ça, c'est exactement ce qu'il se passe dans l'ultra-narrowband et dans la technologie Sigfox. On concentre l'énergie sur une fréquence particulière pour avoir beaucoup plus de puissance que le bruit ambiant et porter beaucoup plus loin. Voilà pour cette première expérimentation. C'est un petit peu plus difficile de montrer ce qu'est l'étalement de spectre sur, avec le même principe, mais on va essayer quand même. Vous avez vu que le bruit ambiant que j'avais créé était plutôt dans les aigus. Et donc là, l'idée, ça va être d'utiliser une voix la plus grave possible, de façon à ce qu'elle utilise des fréquences différentes, et de façon à ce qu'on arrive à entendre le message. Une autre solution pour se faire entendre. Une autre solution pour se faire entendre. Une autre solution pour se faire entendre. Donc l'exemple n'est pas ultra significatif, d'autant que notre oreille a une grosse différence par rapport à un récepteur radio, c'est que notre oreille elle a un large spectre d'écoute. C'est-à-dire que on écoute des sons qui vont de quelques hertz à quelques dizaines de kilohertz, mais elle n'est pas capable de filtrer les sons à l'intérieur de cette plage de fréquence. Quand on va être dans une transmission radio, on va utiliser des filtres qui vont permettre de couper les fréquences qui ne nous intéressent pas et qui, par exemple, dans ce cas-là, nous permettraient de couper ce bruit ambiant qui était dans des fréquences plutôt aiguës, de façon à garder le message qui, lui, on le sait, était mis dans les fréquences graves. Alors, dans l'étalement de spectre, l'idée, ce serait d'avoir le message qui est envoyé à la fois dans les fréquences graves, comme je l'ai montré, et qu'on puisse récupérer, mais de l'envoyer aussi dans les fréquences aiguës, puisque, à la base, on ne sait pas qu'il y a forcément un bruit qui est dans cette fréquence-là. Concrètement, le message émis dans les fréquences aiguës serait perdu à cause du bruit ambiant. Par contre, le message qui, lui, aurait été dans les tons graves, aurait pu passer, puisque mon bruit ambiant n'en comptait pas. Donc, voilà l'idée. Alors cette première expérimentation, elle nous conduit à une deuxième expérimentation où cette fois on va travailler réellement sur les signaux de type Sigfox et les signaux de type LoRa pour voir ce qu'ils sont réellement et pouvoir les différencier facilement. Alors je vous présente un outil qui s'appelle AirSpy, c'est ce qu'on appelle finalement un scanner, c'est un scanner radio. À la base dedans, c'est un décodeur TNT hein, qui est utilisé à d'autres fins. Il est capable de faire différentes choses, il est capable d'écouter des plages de fréquences assez larges, il est capable de tracer des FFT sur ces plages de fréquences-là pour qu'on voit où est-ce qu'il y a du signal, et puis il est capable éventuellement de décoder le signal dans certains cas. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est cet aspect FFT sur les plages de fréquences, et puis le deuxième élément là, que vous voyez apparaître en dessous, qui s'appelle un waterfall, et qui en fait est un résumé dans le temps de ce qui est apparu au-dessus sur la FFT. C'est-à-dire que sur l'axe des X, vous avez les fréquences qui sont représentées. En Y, vous avez le temps, donc à chaque fois, les lignes descendent. Et puis la couleur indique la puissance du signal. Donc si on avait un pic à une fréquence donnée, on va avoir une couleur plutôt chaude dans les rouges. Si on avait juste un bruit sans pic de signal, on aura une couleur plutôt froide dans les bleus. Donc voilà, tout simplement. Donc ça, ça vous permet de visualiser une émission radio. Donc on va mettre cet analyseur sur la gamme des 868.1 MHz, qui est la fréquence de centrage de Sigfox, mais qui est aussi une fréquence qui est utilisée par le réseau LoRaWAN. Et maintenant, on va regarder ce qui se passe concrètement quand j'émets un signal sur Sigfox. Vous voyez apparaître sur la FFT les pics qui correspondent aux différentes émissions, et vous voyez sur le waterfall apparaître trois raies de signal, l'une derrière l'autre, qui correspondent aux trois émissions Sigfox. En effet, quand on émet un message en Sigfox, en fait, il se traduit par trois émissions du même message sur trois fréquences différentes, avec donc la puissance d'émission concentrée sur une bande passante très faible. C'est pour ça que vous voyez
un trait rouge qui apparaît au milieu de ces trois signaux qui correspond à la fréquence à laquelle le signal a été émis. On voit que toute la puissance, elle est concentrée sur cette fréquence-là assez précisément. Alors, on peut dire que quelque part, Sigfox, ça fait aussi un peu d'étalement de spectre, parce que le fait d'envoyer trois messages sur trois fréquences différentes est aussi un moyen de créer de la redondance avec des fréquences différentes, de façon à éviter, s'il y avait un parasite durable qui dure longtemps sur cette fréquence-là, de se retrouver coincé à cause de ça. Voilà. Alors maintenant, on va faire le même test, mais cette fois en utilisant la technologie LoRaWAN, et vous allez voir que le résultat est totalement différent. Alors là, je vais faire une émission à 250 bits par seconde, de façon à ce qu'on ait bien la possibilité de voir ce qui se passe. Vous voyez le message qui est émis, et là, vous voyez que les pics sont beaucoup plus larges. On n'est plus sur un pic de puissance sur une fréquence donnée, mais on est bien sur quelque chose qui émet sur plusieurs fréquences et qui est globalement assez large. On voit que l'émission dure assez longtemps, et on voit qu'il y a une seule émission, contrairement à Sigfox, qui émettait trois messages à la suite l'un de l'autre. Donc vous voyez qu'en termes de bruit sur la bande passante, on est sur quelque chose de complètement différent. Hein. Vous voyez, d'un seul coup, l'écran est devenu très coloré au moment de ce message, et la waterfall, elle est devenue aussi très colorée par rapport à tout à l'heure, on avait juste une petite raie qui apparaissait. Ça, c'est intéressant, parce que ça nous indique une chose, ça nous indique qu'en termes de partage de la bande passante, c'est très visuel. Hein. En termes de Sigfox, vous voyez que c'est à plusieurs devices qui émettent en même temps, on va pouvoir, dans cette petite gamme de fréquences qui est utilisée par Sigfox, avoir plein d'objets qui communiquent, plein de raies les unes à côté des autres, sur des fréquences différentes, d'accord ? Et ça va très bien cohabiter. Vous voyez tout de suite que quand on est sur du LoRaWAN, on utilise quand même beaucoup plus le média, et donc par conséquent, ça va être un petit peu plus dur de scaler et de mettre plein de devices les uns à côté des autres. Alors, on a aussi des canaux, qui là ne sont pas visibles dans la représentation que j'ai faite, puisque en LoRaWAN, on va avoir des canaux qui sont plus larges et on va utiliser plus de bandes passantes dans le 868 MHz. On va utiliser toute la plage des 868 MHz. Donc en fait, il faudrait que mon analyse de spectre soit un petit peu plus large pour qu'on voit mieux l'usage global de la bande passante. Enfin, mais quand même, on arrive à comprendre qu'on a une différence de ce point de vue-là en termes de scalabilité grâce à ces images. Donc l'avantage par contre en LoRaWAN, c'est qu'on va pouvoir changer le débit et donc maîtriser le temps de communication et maîtriser des temps de communication plus courts. Donc là, je vous montre un deuxième exemple. Cette fois, cet exemple-là, c'est une communication qui est à 5,4 kilobits. Et là, on voit toujours la même largeur dans le spectre, mais par contre, on voit une durée qui est très faible. Voilà, vous voyez, c'est juste une ligne de pixels sur mon waterfall. Et donc, qui là nous montre que si on utilise des débits plus élevés dans du LoRaWAN, on aura clairement une capacité à scaler qui est largement supérieure au fait d'utiliser des débits globalement faibles. Maintenant, le dernier point que je voulais illustrer avec cette vidéo, eh bien, c'est ce qui se passe quand on a du LoRaWAN et du Sigfox qui communiquent en même temps, et vous montrer comment, au travers de ces deux stratégies, eh bien, on arrive à avoir les messages de l'un et de l'autre qui passent, même s'ils rentrent en collision. Donc là, on va émettre un message, donc j'ai pris en 250 bits par seconde pour que ce soit plus visible, donc un message qui passe en LoRaWAN, et au moment où ce message passe, j'émets un message en Sigfox, et donc vous avez vu apparaître un trait Sigfox au milieu de l'émission LoRaWAN. Qu'est-ce que l'on constate? On constate que le trait Sigfox est bien visible, c'est-à-dire que sa puissance est supérieure et donc qu'elle ressort de LoRaWAN qui du coup représente un bruit ambiant, qui fait que ce message-là a de grandes chances d'être capté par la station Sigfox. On voit les deux émissions suivantes qui, elles, ne sont pas impactées par l'émission LoRaWAN, donc avec ce système-là qui permet d'augmenter les chances que les trois signaux arrivent. Et puis côté LoRaWAN, eh ben, on voit un spectre beaucoup plus large qui fait que malgré le fait qu'une partie de l'information ait été couverte par Sigfox, la redondance de cette information sur les autres plages de fréquence fait que malgré tout, le signal LoRa a pu arriver malgré ce parasite-là.